Dans l'épisode précédent d'Ultralune, on a rencontré une ultra chimère, deux milfs, un vieux pervers et toujours le pire rival du monde. Heureusement, cet épisode sera beaucoup mieux car vous allez me voir souffrir. Tu vois cette montagne ô combien escarpée, imposante et majestueuse? C'est le mont Lanakila, le plus haut sommet d'Alola. Par le passé, les dresseurs qui finissaient le tour des îles avaient ensuite le privilège d'affronter les doyens du haut du mont Lanakila. En cas de victoire, ils se voyaient alors décerner le titre de lauréat du tour des îles. Je suis profondément attaché aux traditions séculaires d'Alola, je tiens à les respecter. Mais je veux aussi créer une ligue Pokémon pour montrer au reste du monde ce qu'Alola a dans le ventre. C'est l'heure du duel. Mon dieu. L'épreuve semble difficile. Oh, un mini-jeu, je sens que ça va être très drôle. Un petit puzzle. Hop là! Et voilà! Mon dieu, toute cette puissance! Wow! La puissance Z! Surcharge! Et là, le Pokémon dominant va arriver! Mon dieu! Wow! Non! Masaka! Nani! Togedemaru! Que fais-tu? Non! Ah! Ce sacrifice pour nous! Sans toi, nous serions tous morts! Togedemaru! Seras-tu le Pokémon dominant en fait? Parce qu'il y a un gros twist scénaristique! Ah non! Oh! Oh bah si! Oh! Mon dieu! Non! Mon dieu. Il rigole pas, lui. Oh, oh. Oh, t'as l'air vénère. Oh, t'as l'air très vénère. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce Pokémon pété de fou? Quoi? Quoi? Mais c'est dégueulasse. Putain, il s'est protégé, mais c'est n'importe quoi. C'est... Oh là là, mais c'est quoi ce... Oh, j'ai la trouille! Mais c'est quoi cette injustice là? Mais c'est n'importe quoi, hein! Mais le coup critique plus la trouille, mais c'est. Non, mais oh, à un moment, faut redescendre sur Terre là, c'est n'importe quoi, hein! Mais c'est pas possible, putain, mais c'est de la merde! J'ai besoin de toi, j'ai besoin de la puissance de Mouda, 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 Mouda! Allez, vas-y, vas-y! Ça ne le dit pas. On est dans la merde. Oh là 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 là. C'est l'enfer. J'y arrive pas. Je suis bloqué. Oh! Ça y est, on y est, enfin. Bon. Là, Togedemaru, je veux lui mettre la pâte avec ça, putain. Oh. La toute puissance. Deux. Fais l'enfer, mon. Là, on est bien. Mais c'est pas possible, mais regarde-moi ce manque de bol, quoi. C'est, j'ai les trouilles, il me fait pic-au-pic, machin. C'est insupportable, ce combat. Mais regarde, il a la trouille, mais c'est pas possible. Mais j'en ai marre. Il se soigne maintenant, mais c'est pas possible. Il rappelle mon enfant. Bon, j'en ai marre. C'est insupportable là, ce n'est plus marrant. Le jeu était drôle, mais là il ne l'est plus. Et en gros, le mec il fait rebond, il est pas touchable, il fait picot défense, il est pas touchable. Je peux pas le toucher avec l'électricité, je peux rien faire. Je suis bloqué, je fais une super... Je sors mon attaque Z, ça marche pas. C'est l'enfer. Oh! Oh le coup critique. Oh! Oh mon dieu. Oh tacos. Oh tacos, t'as fait plaisir là. Oh là, j'y croyais vraiment pas. Firewall, Tacos, putain Tacos, t'as fait le jeu là. T'as fait la game. Mon dieu, ce boss de l'enfer. Je veux plus jamais revivre ça. Pitié. Pitié, ne me faites plus jamais revivre ça, Game Freak. S'il vous plaît. Pitié, je vous jure, je fais tout ce que vous voulez. Oh là là, celle-là, je l'ai pas volée. Oh mon dieu. Oh. Vous imaginez si j'avais pas fait des coupures là, que j'avais fait ça en long play?
Deux heures à me voir m'entraîner et me perdre. J'en peux plus. Vous recevez le masque du prof. Go au parc Malier pour rendre le masque au prof. Mais que voilà, oh, quelque chose me dit que c'est une clé scénaristique pour nous faire rencontrer Guzma, le chef de... le chef de la Team Skull. Guzma. C'est Guzma. Le boss est dans la place. Oh, j'ai un bracelet Z. C'est quoi ça? Un super bracelet Z? Dis-moi un peu, pourquoi est-ce que tu fais le tour des îles? Je veux devenir plus fort. Tu perds ton temps, c'est moi qui te le dis. Ok, Oferb, tu l'auras voulu. Je vais te démolir, mais avant ça, je vais démolir tout ce qui compte pour toi. Tu me connais pas, moi, je suis Guzma, je suis la destruction incarnée. Et voilà, très cher. Adieu. Enfin, une capacité de type... Oh, c'est trop beau, putain, enfin. Léviator. Enfin. Donald, Chris m'a dit que tu avais réussi son épreuve, bravo. Pour te rendre à la prochaine épreuve, emprunte la route 11 jusqu'au village de Toko. Arrête un peu de t'exciter tout seul, si tu veux qu'on te prenne au sérieux. Oh, Dark Sasuke. Oh non, la Sinistrose surpasse est de retour. Ça vous dit quelque chose? Non. Si on savait, on dirait rien. Si Cosmog n'est pas très puissant en soi, mais on rend compte qu'il a le pouvoir d'invoquer un Pokémon terrifiant. S'il tombe entre de mauvaises mains, c'est la région d'Alola tout entière qui est court à la catastrophe. La catastrophe? La catastrophe. Je suis à la solde des Team Skull, les points liés, mais vous pouvez encore agir, protéger Cosmog à tout prix. Un méchant qui se rebelle contre les méchants, mais alors à se dire qu'il est gentil. Oh, le village de Toko. Putain, mais ils ont toujours rien construit à cet endroit-là. Ah, te voilà, Donald. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Sache d'abord que ce bâtiment est rempli de Pokémon Spectre tout choupi. Bah oui, super choupi. Faut que tu trouves Mimiki, le Pokémon dominant, que tu le prennes en photo avec le Pokéscope. Qui est-ce? Qui es-tu? Maggie, c'est toi? Le nom, c'est surfait. L'épreuve est terminée, va-t'en. Mais je n'ai pas fini. C'est trop dangereux. Arrête tout et va-t'en. Mais je compte pas abandonner. Va-t'en. Sûrement pas. Va-t'en. Jamais de la vie. Va-t'en. Oh mon dieu, c'est flippant. Oh oh. La porte s'est déverrouillée toute seule. Mon dieu, des dessins de Pikachu. Heureux. Mais. Non. Nani. Pikachu. Je ne pourrais supporter ce que tu m'as fait subir dans Sun and Moon. Je vais te faire payer cet affront. Ces heures d'XP. Cette souffrance. Et c'est ce combat en stratégie où j'ai perdu. Face à ce Pokémon surpuissant. Non. Pas cette fois. Tu vas souffrir, Mimiki. Oh, il l'a tanké. Mon dieu. Ouais, mon glouglou, ils m'ont volé mon glouton. Putain, mais vous avez que ça à faire. Voler des Pokémon de merde. C'est comme si le mec t'avait volé, je sais pas, même pas ton chien, tu vois. T'avais volé ton poisson rouge. Et que du coup, t'allais mettre ta vie en danger dans une planque de Lascar. Pour aller sauver un poisson rouge. C'est concept Pokémon. Allez, c'est parti. Normalement, si je me souviens bien, c'est à l'ouest d'ici. Oh non. Il va falloir que je le batte absolument. Allez. Passe. Non ! Alors, normalement, voilà, le Sharpedo. Avec l'ancien champion de je ne sais plus quel noir et blanc, il me semble. Je ne sais plus. En tout cas, il avait la classe. Tu fais le tour des îles ? Existe-t-il vraiment des gens assez fous pour s'aventurer dans un endroit aussi reculé ? Je poursuis la Team Skull. C'est un défi à te proposer. Je vais lancer une pièce. À toi de me dire de quel côté elle va retomber. Ni l'un ni l'autre. Car je suis obscur. Wesh mec. Félicitations. Je comptais la lancer pour qu'un armure l'attrape au vol. La victoire t'appartient. En récompense, voici les données de Sharpedo pour ton appel monture. Non, pas toi. Ah. J'ai évité le nageur.
Team Skull, par les délinquants. Mon Dieu. Ouch, on a de la visite, on fait quoi mec, on fait quoi? Vas-y arrête de flipper, tu vois bien qu'on est déjà équipé avec cette barricade. Grave. Ils sont débiles. Ça n'empêche, la population de délinquants sur cette île est plus élevée que le nombre de personnes totales sur l'île, j'ai l'impression. Nous voilà devant le manoir et ça n'a rien à voir avec le film de YouTuber. Yo Minus, tu veux voir le boss? Balance d'abord les trois mots de passe. Ouch, ouais vas-y. J'ai aucune idée de ce que c'est, on va complètement répondre au hasard. Direct toxique. Croquine. Chocolat. Et là, il faut répondre non comme le précédent jeu. Popopo. Et je jure, il y a zéro astuce. Hein. J'ai fait zéro test, c'est mon premier test. Non, tu es là. Je vais te casser. Place au boss que tout le monde déteste, celui qu'on adore éclater des têtes. Bling bling et sap de marque, c'est Duzma qui débarque. Ah. Tiens, tiens, regarde qui est là et envoie une bonne surprise. Tu dois vraiment aimer la douleur. Oui. Et non, je rigole. Pour venir te jeter un gueule, Guzma. Oh, moi, mon glouton, mon poisson rouge. Tu sais ce que je fais à ma sono quand elle tombe en panne? Je la tatane jusqu'à ce qu'elle remarche. C'est ça la réparation à la Guzma. Sauf qu'au final, elle finit en miettes. C'est la matasseur de ce que je vais te faire, tu piges? Ouh. On a eu chaud, hein. Et toi, Dandandan, en tant que policier, c'est ton devoir d'empêcher la Team Skull de nuire. Qu'est-ce que tu fais ici si tu ne comptais pas les arrêter? Je regardais les maisons, les loups, ils sont bons archers dans le coin. C'est pas croyable. Quoi? Il s'est passé quelque chose pendant que j'étais absent. C'est Lily. Elle s'est faite enlever. Et les autres, ils sont tout contents. Merde. Comment osez-vous? Bon alors, tu vas te faire la malle comme la dernière fois, je suis déçu, moi qui te prenais pour la reine des dégonflés. Mais vous savez, vous pouvez fermer la porte. Vous savez, s'il y a des ennemis qui vous voilent du mal, vous fermez. Tac. Et ils peuvent pas rentrer. Et je sais pas, vous pouvez vous défendre aussi, là. Vous prenez une arme... Un peu de violence, quoi. Oh, Dark Sasuke, impossible. Pendant tout ce temps, c'était Lily qui avait Cosmog. Madada. Comment tu connais Lily? Mais ça se voit que c'est sa sœur. Cosmog, Lily, quitter ma maison, partir, tous mes sacrifices, tout ça a été vain. Rabattons-nous, j'ai besoin de... C'est quoi cette logique? La logique de Pokémon. Pardon, ce combat était plus futile, j'aurais dû me contrôler. Mais je me tue à vous dire, bon sang. Cosmog va semer la désolation à Alola. Je dois le retrouver. Il faut aller à l'embarcadère. Toi là, tu viens avec moi, ok? Oui. Oh, Dan, mais qu'est-ce que vous faites là? Koyo est déjà tombé aux mains de la Team Skull, il n'y a plus rien à faire. Du coup, je suis au chômage technique. Eh petit, j'ai oublié de te dire, c'est moi le dernier d'Oulaoula. Bref, ça te dirait de tâter du don ton Dan en combat pour l'expérience, tout ça? Ça serait utile si tu veux devenir le lauréat du Tour des Îles. Pas de problème. T'inquiète, je vais y aller mollo. Non mais ce qui est quand même drôle, c'est que je me suis pas soigné, genre il y a une urgence, le mec il arrive. Petit combat comme ça, allez vas-y. Ça fait deux combats de n'importe quoi à la suite. Allez, cette fois-ci tu la loupes pas. Tu tankes. Il tanque de mieux en mieux, c'est cool. Allez. La victoire est mienne. Alors du coup, où ils ont emmené Lily? Ils l'ont emmené au Paradis Heiser. Paradis Heiser? Mais oui. Les méchants sont en fait les gentils qui sont les méchants. Car les gentils sont en fait les méchants. Mais au fond, ils restent gentils. Bon, on est déjà arrivé, on a un seul morceau, déjà pas mal. Par contre, j'ai un mauvais pressentiment. Gardez l'œil ouvert. Pourquoi tu penses que Lily est au Paradis Heiser? Je t'en pose des questions. Ah, mais il m'énerve. Bon, on fait quoi alors? On la cherche. Commençons par prendre l'ascenseur, on avisera ensuite. Mais il est fou! Il n'a aucun plan, rien! Il départ comme ça avec ses Pokéballs, mais on n'a aucun plan. Mais si, on fonce dans le tas. Bon, allez, les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser. On va aller casser Alzamina. On va aller voir les Ultra Chimères. Il va y avoir pas mal d'aventures. Le prochain épisode va être énorme, mon gars. Cette série, je la kiffe.
parce que c'est rapide, c'est bien cuté. Oui, je sais, je m'auto-congratule. En tout cas, laissez le pouce bleu si ça vous plaît. La prochaine fois, ça va être du lourd. La cloche. On n'oublie pas la cloche. Le petit commentaire de l'amour. L'amour, 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 toujours l'amour. Allez, les amis. Ciao !